Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va tester des petites nouveautés make-up ensemble. On va tester notamment toutes les nouveautés by Terry que j'ai reçues dans le colis que je vous ai présenté dans la vidéo Big Haul et Unboxing. Donc fond de teint, éponge, poudre et palette teint. On va tester des petites nouveautés yeux, des petites nouveautés lèvres. Voilà, on va faire tout ça ensemble. Je vais vous donner mon avis sur tous les produits, enfin en tout cas à chaud. Premières impressions, le résultat final, ben, c'est celui-ci. Donc on est sur un truc vraiment nude, un peu make-up, no make-up et tout ça. Mais vous allez voir, la plupart des produits sont très 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 jolis. Il y a des coups de cœur quand même, il y a des déceptions aussi. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder tout ça en images. Avant que le tuto ne commence, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En cliquant là juste en dessous, oui maintenant, sur le petit bouton rouge s'abonner, c'est gratuit. Moi ça me fait super plaisir, ça m'encourage parce que vous avez peut-être pas l'impression mais je passe beaucoup 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 de temps sur ces vidéos, notamment sur les montages parce que je ne suis pas une pro des montages, pas du tout. Donc voilà, ça m'encourage. Si vous êtes déjà abonné bien sûr, merci beaucoup beaucoup. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Et maintenant j'arrête de blablater, je vous laisse avec le tuto, le crash test et mon avis. Let's go! Alors je vais commencer par le teint et par le fond de teint et je vais appliquer avec vous le nouveau fond de teint de chez by Terry. Celui-ci à l'acide hyaluronique, ben, il s'appelle Hyaluronic Hydra Foundation. Bon, il n'est pas très nouveau, hein, il est sorti il y a un petit moment, mais pour moi il est nouveau. Alors je vais pas vous mentir, je l'ai déjà utilisé 2-3 fois et franchement j'ai adoré. Du coup j'ai un peu plus de recul quand même pour vous en parler, mais je veux quand même le faire en direct avec vous. Juste, ce qui a l'air top avec ce fond de teint, c'est que déjà il contient un SPF. Alors c'est pas un SPF 50, mais c'est quand même un SPF 30, donc c'est quand même pas mal déjà. Il est à l'acide hyaluronique, et ça je vous en ai déjà parlé des bienfaits de l'acide hyaluronique, donc ça c'est top. Et sa couvrance est modulable. Donc sur le petit kit comme ça là qui est fourni avec, ils expliquent que pour une couvrance légère, il vaut mieux mettre 2 gouttes, couvrance moyenne 4 gouttes, haute couvrance 6 gouttes. Et ça je trouve ça génial, voilà, il est vraiment modulable en fonction de ce qu'on veut. Alors si je me trompe pas, il existe en 15 teintes. En fait c'est pas mal parce que, je sais pas si vous verrez là en bas, on a les 3 sous-tons C, N et W avec différentes teintes. Donc c'est assez facile de choisir sa teinte. Par exemple, moi j'ai pris le sous-ton N, c'est-à-dire bronze progressivement, avec la teinte 400, ce qui donne 400N. Moi j'ai pris la teinte 400N, c'est la teinte neutrale médium. Je trouve ça pas mal de mettre ce petit explicatif dans un fond de teint parce que c'est beaucoup plus simple de choisir sa teinte. Donc je vais pas l'appliquer avec l'éponge que j'ai reçue dans le colis. Cette éponge by Terry, je m'en servirai pour l'anti-cerne par contre. Je vais l'appliquer avec mon pinceau traditionnel. Donc là j'ai rien mis, j'ai juste mis mon petit écran solaire Uriage SPF 50. Donc j'espère que ça va pas faire de caca avec l'écran solaire en dessous. Mais bon, j'ai pas mis de base pour vraiment vous montrer ce que ça donne. Alors, pour une couvrance moyenne, ils disent 4 gouttes. Mais moi qui aime les couvrances plutôt légères à moyenne... Ah, attendez, j'ai oublié d'enlever mes boucles d'oreilles. Ouais, ça m'est arrivé d'en mettre 5, pas 6 mais 5, et la couvrance était toujours moyenne. Souvent je rajoutais une goutte pour le coup surtout. J'ai pris mon pinceau le 102, hein, Silk Finish de chez Zoeva, comme d'hab. Je me rapproche pour que vous voyez bien la caméra. Vraiment la fluidité du fond de teint. Donc de toute façon il s'appelle fond de teint liquide, hein. Il est vraiment très très fluide, très très liquide. De toute façon vous l'avez vu quand j'ai mis les gouttes sur mon visage. Et alors franchement il s'étire et il s'applique avec une facilité de malade. Sur le packaging ils mettent longue tenue. Et franchement je peux vous dire, ça c'est la vérité. Moi les 2-3 fois où je l'ai utilisé, je l'ai appliqué le matin, je l'ai gardé toute la journée, ben, dans les conditions de la réunion, donc avec chaleur, humidité et tout. Et franchement le soir j'avais toujours une aussi belle peau que le matin quoi. Regardez comme il est joli. Alors sur le packaging ils mettent aussi fini mat mais lumineux. Et franchement je suis tout à fait d'accord. Il est ni trop mat, ni trop glowy. Enfin je sais pas, moi je trouve qu'il fait une peau vraiment parfaite, il hydrate en plus. Bon, avec l'acide hyaluronique qui est à l'intérieur, ça m'étonne pas du tout. Mais je le trouve magnifique ce fond de teint. Je vous jure, je vous donne déjà mon avis parce que là, voilà, c'est pas la première fois que je l'utilise. Personnellement, je le trouve extraordinaire. Si vous aimez les mêmes choses que moi habituellement, franchement, foncez parce qu'il est dinguissime. Cet effet seconde peau, vraiment... On voit la peau, regardez, qui est dessous, en transparence. On voit toujours mes grains de beauté. Par contre, mes imperfections ont vraiment été camouflées. Le grain de peau, il est lissé, il est uniformisé. C'est pas too much. La couvrance, elle reste légère. Même si moi, j'ai mis 4 gouttes pour une couvrance moyenne. Je trouve que ça reste light, franchement.
Et voyez, ça y est, j'ai fini. Il est tellement simple à utiliser. Si vous n'êtes pas adepte des fonds de teint de manière générale, un peu comme moi d'ailleurs, celui-là, on dirait même pas un fond de teint, on dirait une sorte de petite crème teintée. On prend un petit pinceau, tac, 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 on l'étale et c'est terminé. C'est vraiment... il est super. C'est une très très belle réussite, je trouve. Bon, j'ai rarement entendu des avis négatifs hein, dessus. Mais bon, je voulais quand même vous donner le mien. Voilà, je continue à tapoter comme ça, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il est déjà complètement pénétré. On va passer à l'anti-cerne. On va tester une nouveauté, là par contre je ne l'ai jamais utilisé encore. Un concealer que j'ai acheté sur le compte Instagram Mon Vide Vanity. Je vous l'avais montré dans le Big Unboxing et Haul. N'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu. C'est le Stay Naked de chez Urban Decay, celui-ci, dont on entend parler aussi partout. À ce qui paraît, c'est un vraiment des meilleurs anti-cernes qui est sorti ces derniers mois, et notamment en 2019. J'ai vu énormément de revues, vraiment tout le monde était unanime, donc je voulais vraiment l'essayer. Parce qu'au-delà de la couvrance... À ce qui paraît, sa particularité, c'est vraiment de lisser le contour des yeux, de pas filer dans les petits plis, dans les petites ridules et tout ça. Donc, on va voir. Donc, moi, j'ai acheté la teinte Light Neutral. J'espère vraiment que ça va le faire. Alors, dessus, il y a marqué Complete Coverage. Donc, c'est pas High Coverage, mais bon, ça a l'air assez couvrant. Notre anti-cerne liquide est unique en son genre. Il camoufle les imperfections tout en se faisant totalement oublier. C'est ce qu'on veut. Sa formule ultra légère et haute technologie assure une couvrance homogène et modulable, ainsi que l'effet peau nue, signature de Naked Skin, sans jamais migrer dans les ridules. Eh ben écoutez, il a l'air assez parfait. Et je vais l'appliquer et je vais tester la nouvelle petite éponge By Terry. Ce sera l'occasion que j'ai reçue en cadeau hein, dans le colis, je vous l'avais dit. Sachant que moi j'utilise de moins en moins des éponges pour me maquiller, mais bon. Ah, alors, elle est souple, mais elle n'est pas aussi souple qu'un Beauty Blender quand même. Hein. Alors, c'est un petit embout applicateur comme ça, classique. Il y a un petit réservoir comme ça au bout. J'ai peur que ce soit un peu clair pour moi. Le truc, c'est que je bronze tellement ici au fur et à mesure des mois que finalement, je suis un peu perdue des fois au niveau des teintes à choisir. Je perds un peu mes repères, quoi. Bon, si c'est trop clair, je viendrai compléter un petit peu avec mon Fit Me de chez Je Mets Maybelline. Alors, je me suis mise à appliquer tous mes produits teints au pinceau et j'ai du mal à revenir à l'éponge. Je sais pas pourquoi. Elle est bien, hein, mais elle est un peu dure pour moi. J'ai un peu de mal à la manipuler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai un peu de mal à la prendre en main, à la maîtriser. Mais par contre, elle applique super bien le produit là. Hein. Ouais. Waouh. Alors, la petite pointe au bout, c'est vrai que c'est assez pratique. Parce que comme moi j'en mets là au-dessus des yeux, on peut bien venir faire le coin interne de l'œil. Des fois j'ai un peu peur des côtés plats comme ça avec les éponges. J'ai peur que ça fasse pas bien pénétrer la matière. Et là ouais, étonnamment, ça fait pas d'effet cakey et tout. Alors, je sais pas si c'est l'anti-cerne lui-même ou l'éponge, mais franchement, c'est pas mal du tout. Il va falloir que je poudre. Alors, j'aime beaucoup l'effet de l'anti-cerne. Effectivement, il est extrêmement lissant immédiatement. Par contre, bon, je pense qu'il m'aurait fallu une teinte, voire une teinte et demie au-dessus. Je pense que ce que je ferai à l'avenir, c'est que je viendrai mettre un anti-cerne à moi, un petit peu plus foncé, et celui-ci par-dessus pour venir illuminer un peu. Là, je vais en rajouter un tout petit peu parce que j'ai pas mal de cernes ce matin. Je pense aussi que l'éponge absorbe un peu de matière. Donc, je vais prendre là mon pinceau pour le petit surplus que je mets là. En tout cas, la texture, effectivement, elle est géniale, cette texture. Toute fine, toute fluide. Mais il ne file absolument pas dans les plis, ce qui est assez rare parce que moi, j'en ai quand même en dessous des yeux des petits plis. À mon avis, après avoir poudré, ça va être très, très, très joli. Eh bien justement, on va poudrer, donc je vais tester avec vous deux petites nouveautés encore une fois, deux poudres différentes. Pour mon visage, je vais tester la poudre Too Faced, la Banana Cream, qui se présente comme ça. Donc on a en fond un petit peu crème, et avec quatre petites bananes qui du coup viennent apporter les petits sous-tons jaunes à la poudre. Je vais appliquer ça sur mon visage, et par contre sous mes yeux, je vais appliquer la petite poudre que j'ai eue en cadeau, pareil, dans la commande By Terry. Donc c'est la poudre Hyaluronic Hydra Powder, celle-ci, poudre de finition, donc là elle est en mini. Et celle-ci, c'est la translucide, parce que moi, j'ai la teintée. Du coup, je veux tester la translucide. Voilà, elle se présente comme ça, c'est la teinte numéro 0. Hein. Bon, c'est vrai que c'est jamais pratique d'appliquer les poudres avec les formats mini comme ça, parce que comme les pinceaux, ils rentrent pas dedans, on est obligé d'en mettre dans sa main. Alors, est-ce que ça smousse mon dessous des yeux? Je prends un petit pinceau comme ça pour le dessous des yeux, j'aime bien. Eh, franchement, elle est aussi bien que la teintée. Hein. Je veux dire, elle est tout aussi lissante. Ça, c'est ça qui est génial avec la poudre teintée de chez By Terry. C'est que au delà de venir fixer, matifier tout ça, elle va venir vraiment lisser le grain de peau, comme la Ultra HD de chez Makeup Forever. Et ça, c'est top, top, top. C'est vraiment la petite cerise sur le gâteau pour une poudre, quoi. Ouais, franchement, génial. Alors, là, j'ai l'air un peu déçue. En fait, je suis pas du tout déçue. Elle est exceptionnelle, cette poudre. C'est juste que je connais déjà la teintée. Je l'ai en format full size. Donc, voilà, c'est la même chose. C'est pas comme si je la testais pour la première fois. C'est juste que je teste une autre teinte. Là, pareil, si vous cherchez une bonne poudre,
Pour moi, la meilleure, ça reste la Ultra HD chez Make Up For Ever. Mais celle-ci, franchement, je pense qu'elle vient en deuxième position. Elle est top. Regardez, je vous montre bien là, mon dessous des yeux. En plus, avec l'anti-cerne Stay Naked, là, franchement, ça fait un dessous des yeux vraiment... on voit plus mes cernes. Vraiment lissé et tout. J'adore, j'adore, j'adore. Et c'est magnifique. Oh là, l'illusion du make-up. Franchement, je me sens tellement plus jolie quand je vois mes yeux comme ça. Donc, oui, pour le reste de mon visage, je vais prendre la compacte, la Too Faced. J'ai pris cette teinte, enfin, j'ai acheté cette teinte, la Banana Cream, parce que moi, j'aime bien juste dans une poudre avoir des petits sous-tons jaunes. Je suis pas forcément fan des Total Banana. Et là, c'est top parce que, voilà, elle est crème avec des petits sous-tons. Donc, c'est l'équilibre que moi, j'aime bien généralement. Alors, on va voir. Et franchement, j'aime bien les poudres compactes aussi. Les poudres libres, je trouve qu'elles sont généralement plus efficaces, enfin dans l'immédiat. Mais les poudres compactes, c'est quand même tellement plus pratique pour la journée. Enfin voilà, on peut les trimballer dans son sac et tout. Pour le coup, elle est très ancienne. Hein, ça fait, je crois que ça fait des années qu'elle existe. Mais j'en entends parler partout, 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 partout. Donc quand je l'ai vue à ce prix-là sur Instagram, je me suis dit, c'est bon, c'est l'occasion. Elle sent bon. Elle n'a pas d'odeur de banane ni rien. Une odeur, je sais pas, une odeur de poudre, quoi. Bon, elle est bien, mais ouais, j'ai vu mieux. Je veux dire, elle fait le job. Je sais pas si vous voyez, là. Elle a vraiment matifié. J'ai plus de brillance du tout par rapport à tout à l'heure, avant que je mette la poudre. C'est vrai que je brillais un peu avec la chaleur et tout ça. Là, pour le coup, je brille plus du tout, du tout, du tout. Mais par contre, elle a pas forcément d'effet floutant. Je vais en mettre bien dans mes ridules, autour du nez, là. Ouais, elle vient fixer, elle vient matifier, ça, je suis d'accord. Mais par contre, elle vient pas ni flouter ni lisser. Bon, en même temps, c'est pas marqué dessus, hein. Donc voilà, c'est bien, mais c'est pas... Elle a pas tous les attributs, je veux dire, qu'on peut avoir dans une poudre. Mais franchement, pour la journée et tout, pour trimballer, je pense que ça peut être pas mal. Je vois pas trop les petits sous-tons jaunes sur la peau. C'est vraiment tout en légèreté. Ouais, j'aime bien. Ensuite, on va continuer dans le teint. Et on va appliquer ensemble une petite merveille. La palette de chez By Terry, donc la Brightening CC Palette. Donc moi je l'ai achetée en teinte numéro 1, Sunny Flash. Je vous ai montré le packaging dans le haul, hein. Mais franchement regardez la merveille quoi. La merveille. Et je vous avais montré l'intérieur aussi. Regardez-moi ces 4 poudres. Non mais elles sont sublimes, on n'a même pas envie de les utiliser. Et elles sentent la rose, mais je vous jure la rose vraiment fraîche. On a l'impression de sentir... un bouquet de roses quoi, c'est truc de fou, j'adore. Donc à l'intérieur on a priori 2 blushs, un bronzer, un highlighter. Donc je vais commencer par le bronzer qui est là. Par contre je sais pas si ça va être assez chaud pour moi, on va voir ça. J'ai pris mon petit pinceau Babyliss, alors c'est pas très pigmenté. Je veux dire par rapport par exemple au bronzer Profusion de Make Up For Ever ou à la Oula de chez Benefit. Là c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus diffus. C'est pas un bronzer avec lequel on va pouvoir faire du contouring, quoi. Non, 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 c'est très, très léger. Regardez, là, j'en ai mis, et là, pas encore. Vous voyez, c'est tout en subtilité. Mais je pense que, ultérieurement, je mettrai quand même un bronzer un peu plus chaud, un peu plus pigmenté, un peu plus prononcé, et peut-être mettre celle-là par-dessus pour venir accentuer un peu la teinte et lui apporter un peu de lumière, parce que, par contre, il est très lumineux. Il n'est pas forcément très pigmenté, mais très lumineux. Ça, c'est joli, ouais. Alors, après, pour l'highlighter, c'est pas marqué highlighter. C'est marqué poudre illuminatrice, donc je sais pas trop. On va voir. Franchement, c'est pas mal. Mais c'est pas forcément hyper facile à manipuler, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je sais pas, peut-être que j'ai pas utilisé les bons pinceaux, mais... Bon, je vais tenter les blushs. Alors, il y en a 2, sachant que le plus foncé est plus corail, donc je vais prendre celui-là. Alors, sur le pinceau, il a l'air assez, assez pigmenté. Ah ouais, dis donc, par contre le blush là, c'est pas mal, hein. Regardez, c'est vraiment joli, hein. Sur la joue, je trouve que ça fait plus rose que corail, mais j'aime bien. Eh, c'est pas mal. Je le trouve beaucoup plus pigmenté que le bronzer, en fait. Bon, je vais appliquer les 3 et après je viendrai vraiment flouter le tout. Par contre, ouais, les matières quand même, faut faire gaffe en les appliquant parce qu'une fois qu'on les a sur la peau, c'est pas très très facile de les estomper, hein. Je pense qu'il faut prendre le coup de main. Je vais essayer la dernière, tiens, la poudre illuminatrice. Ouais, alors là par contre je vois pas trop de plus-value. Je vais en remettre. Bon, je vais estomper le tout. Dites-moi si vous la connaissez cette palette. Est-ce que vous l'avez? Est-ce qu'elle vous tente ou pas? Parce que moi j'avoue, j'ai craqué aussi, regardez. Le packaging, la palette, enfin je veux dire, elle est absolument magnifique. Mais bon, il n'y a pas que le packaging qui compte, hein. Faut que vraiment la qualité soit au rendez-vous. Enfin, que ça nous convienne, quoi, qu'on arrive vraiment à manipuler les produits.
Voilà, l'effet final est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça. C'est assez léger, c'est assez light, mais c'est quand même prononcé. Ouais, j'ai un peu de mal à expliquer. J'ai plus de mal à expliquer que d'habitude, mais ouais, faut que je continue à l'utiliser, je pense, pour me faire un véritable avis dessus et vous en reparler. Mais en tout cas, là, dans l'immédiat, c'est pas mal. Hors caméra, j'ai fait mes petits sourcils, parce que j'ai des nouveautés sourcils à tester, mais je vais pas les tester dans cette vidéo. En fait, j'ai tellement de nouveautés que je vais faire petit à petit. On va passer aux yeux, deux nouveautés à tester avec vous. Juste avant de passer aux yeux, je sais pas, est-ce que ça vous arrive, vous? Alors, moi j'ai du duvet sur la peau, bien sûr, et je ne me rase pas le visage, je ne m'épile pas le visage, enfin je ne fais rien du tout, à part les sourcils et la moustache, quoi. Et du coup, parfois, il y a du fond de teint, c'est un peu compliqué, j'avoue, avec le duvet, de bien le faire pénétrer de manière uniforme et tout. Je comprends les nanas qui disent que sans poils sur le visage, c'est beaucoup plus simple d'appliquer ces produits teints. Franchement, je comprends. Bon, je le ferai pas, mais je peux comprendre. Dites-moi si je ne suis pas seule dans les commentaires, s'il vous plaît. Bref, donc pour les yeux, j'ai envie de tester avec vous le mascara... Better Than Sex de chez Too Faced, donc celui-ci qui n'est absolument pas nouveau non plus hein, mais qui me tentait énormément parce qu'à ce qui paraît c'est un des meilleurs, enfin il est classé aussi dans beaucoup de vidéos comme top eyeliner, donc on va tester. Et en fait la pointe elle est super fine, regardez, un peu comme celle du Tattoo Liner de chez Kat Von D qui est mon eyeliner préféré. Regardez, je vous mets les deux pointes à côté. Ça c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D et ça c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Vous voyez vraiment la finesse des pointes. Donc je pense vraiment qu'il peut me plaire vu à quel point j'aime le Kat Von D. Et vous savez quoi, aujourd'hui je vais pas mettre de fard à paupières et tout, j'ai pas envie. Je vais juste essayer de me faire un joli trait de liner. C'est tout. Je vais commencer par la queue. Franchement, il est pas mal du tout. J'ai fait que la queue pour le moment de l'œil, regardez. Il est vraiment très fin. Hyper précis, peut-être un tout petit peu moins précis que le Tattoo Liner de chez Kat Von D, mais franchement, je crois qu'il fait partie des eyeliners les plus précis, en tout cas que moi j'ai pu essayer, donc j'aime bien, j'aime vraiment pas mal. Allez, je finis mon petit trait de liner et on va passer à la nouveauté mascara. J'ai pas fait trop long, j'ai fait ma petite virgule vers la queue du sourcil, mais voilà, franchement j'aime bien faire ça de temps en temps, il est génial, c'est... Très précis, j'adore, vraiment j'adore. Il fait pas de paquet, il sèche comme il faut, enfin super. Si vous cherchez un bon eyeliner, franchement, avec le Kat Von D, ben n'hésitez pas, essayez celui-ci, il est top, super précis. Et donc, comme mascara, j'ai envie de tester avec vous une petite nouveauté Clinique. Donc, c'est le mascara Impact Optimal de chez Clinique, donc en teinte numéro 1, black, comme ça. C'est vrai que pour les mascaras, souvent, moi je teste des marques... essentiellement make-up. Je teste pas trop de mascara dans les marques de soins. Donc bon, là je l'ai eu dans le coffret Clinique que je vous avais présenté dans le big haul aussi. Je sais pas s'il promet volume ou longueur ou les deux. J'ai jeté la boîte donc c'est pas trop indiqué. En tout cas j'aime bien le packaging qui est comme ça, vraiment très sobre. C'est pas vraiment noir, c'est plutôt un petit peu vert azur. Et on a la petite inscription comme ça en haut Clinique. La brosse elle est assez traditionnelle, regardez, comme ça. Voyons ce qu'il a dans le ventre, ce petit mascara. Je vais faire un seul œil pour voir vraiment la différence avec l'autre. Ouais, bon, c'est pas dingo dingue, hein. C'est... Regardez, j'ai fait cet œil par rapport à celui-là. Alors, le truc, c'est que je dirais qu'il apporte ni volume. Alors ça, c'est sûr, il apporte pas du tout de volume. Comme par exemple le Dame Girl de chez Too Faced, qui vraiment, lui, tout de suite, bah, va apporter un volume de malade, limite, effet fossile. Et il apporte pas vraiment longueur non plus, hein. Franchement, je l'ai eu en cadeau dans le coffret, donc moi j'avais acheté le coffret pour les soins, heureusement. Mais j'aurais pas acheté ce mascara, hein. Alors, je veux dire, il est bien pour un mascara comme ça tous les jours et tout ça, mais on peut trouver largement mieux. Alors, je sais pas combien il coûte à l'unité, mais à mon avis, Clinique, enfin, ça doit coûter au moins 20€. Et pour ce prix-là, même chez Je mets Maybelline et tout, en beaucoup moins cher, moi, je trouve des mascaras qui vraiment font un effet beaucoup plus waouh, beaucoup plus impactant, quoi. Longueur, volume et tout. Là, je suis un peu déçue. Bon, j'avais pas forcément d'attente, mais je reste sur ma faim, quoi. Surtout que quand je fais ça, quand je fais juste un trait de liner comme make-up, j'aime bien avoir un mascara bien volumineux et tout, histoire de bien faire ressortir le trait de liner. Et là, ça va pas trop être le cas. Donc voilà, et ben on va passer aux lèvres. J'ai trouvé en grande surface... un crayon en fait de chez Je mets Maybelline. J'avais trop envie de l'essayer. Je sais pas, ça m'a donné envie. C'est le Super Stay Ink Crayon. Donc il se présente comme ça. Donc je pense que vous les avez vus hein, quand vous faites les courses et tout. Ils sont pas donnés quand même. Et alors ce que j'aime bien, c'est que voilà, ils sont assez gros comme ça.
et rétractable. Donc du coup c'est le genre de crayon qui peut faire rouge à lèvres en même temps. Il a l'air assez crémeux, assez gras, donc moi j'aime bien quand j'ai envie d'aller vite, par exemple le matin, un beau crayon en guise de rouge à lèvres, limite avec un petit gloss après ou pas d'ailleurs, c'est top. Donc moi j'ai pris la teinte 15, c'est la Lead the Way, enfin c'est un nude rosé quoi. De l'autre côté, on a ça, ce qui est une sorte de petite taille crayon. Ce que je comprends pas trop, je vous avoue, parce que vu qu'il est rétractable et qu'il est assez crémeux et tout, à mon avis, c'est pas le genre de crayon qu'on a besoin de tailler, mais je sais pas. C'est un concept un peu étrange. Allez, on tente. Oh là là, qu'est-ce qu'il est crémeux. Oh, et on dirait un rouge à lèvres raisin, comme les rouges à lèvres justement de chez Je mets Maybelline, les Made for All, la gamme Made for All, celle-ci, qui est ma gamme préférée de rouge à lèvres, j'en ai parlé je sais pas combien de fois. Ils sont tout aussi crémeux et hydratants. Oh là là, j'adore. C'est même pas un crayon en fait, c'est un rouge à lèvres. Même pas besoin de mettre de rouge à lèvres derrière. J'adore, j'adore, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là sur les lèvres, ça fait un effet vraiment lèvres hydratées, repulpées. J'aime trop. Et en plus, ça c'est le genre de produit. Je vous dis, ça fait crayon, ça fait rouge à lèvres, c'est hyper pratique. Moi c'est le genre de produit que j'aime toujours avoir dans mon sac à main. Franchement, il s'appelle crayon, mais moi je l'aurais appelé rouge à lèvres. J'aime trop. Et la teinte est très 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 belle. Ça c'est le genre de teinte bah, qui va avec tout. Ouais, c'est une sorte de rouge à lèvres raisin, mais en stick. Oh, je suis fan de ce truc-là, j'adore. Je regrette pas de l'avoir acheté. Et bien voilà pour le look final. Je vous montre ce que ça donne. Donc, on est sur un make-up à la française. Hein, vraiment, make-up, no make-up, petit trait de liner, mascara, un petit nude. Mais moi, j'aime bien de temps en temps ce genre de make-up. En gros, c'est un peu celui que je fais tous les matins, quand je sais pas trop quoi faire et tout ça. Je suis assez contente du résultat. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, le fond de teint, je le trouve absolument magnifique. Sur ma peau là je le trouve vraiment dingo-dingue, vraiment j'adore. Et pourtant j'ai mis ma protection solaire 50 en dessous. Et je vous assure, franchement faites-moi confiance, que ce soir je serai encore avec ce teint là. L'anti-cerne et l'éponge j'aime beaucoup aussi. Bon la palette by Terry, faut que je continue un petit peu à la tester, à la manipuler. C'est une très belle palette, après est-ce qu'elle vaut son prix? À voir. En tout cas c'est vrai que là ça fait plutôt un effet bonne mine et tout ça. Eyeliner au top du top, le mascara vous l'aurez compris, non, passez votre chemin. Et le petit crayon rouge à lèvres, je suis fan, voilà. Crash test de nouveauté plutôt réussi. Dites-moi ce que vous en pensez de ce résultat-là. Et puis de tous ces produits, on se retrouve dans les commentaires pour échanger sur tout ça. Moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.